Bonjour à tous, c'est Mangaman19 et on se retrouve pour l'épisode 3 de The Last of Us. Alors, précédemment, nous avons commencé à taper sur tes gens à coup de... Non, pas coup de bouteille, mais... Allez, j'adore comment tu te prends ta bouteille. Bon, à taper sur tes gens et on cherchait Robert. Robert qui est sûrement derrière cette porte. Donc, on va s'équiper et... Mais il m'a fait quoi? Il m'a donné de la hype, il m'a dit oh, on va défoncer cette porte, mais non. Mais non. Pff, Joël, franchement, ça n'a pas donné de la hype. Pourquoi tu chuchotes? Ah oui, c'est peut-être parce que... Il y a des gens. Oh! Reculez, reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On a rien du tout. Moi, à non, dire, je peux pas parler. Baisse ton arme. Allez vous faire foutre. Il va. Robert. Joël, par ici. Tu sais que tu peux aller avant moi, hein. Oh, là, tu mets de la hype. Allez. Go, 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 go. Là va. On a failli l'avoir. C'est où? Salut Robert. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh! Tu nous as manqué. Écoutez. J'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Oh! C'était pas compliqué, ça. Stop! 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 Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui c'est a pas... nos armes? Initial. Je peux pas. Non. Donnez-moi juste quelques jours. Oh, désolé, oh, mais... Qui a nos armes? Quelques jours, et t'es qu'à un bras. C'est les Lucioles. Bingo. Je les ai vendus aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. Hein? On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant, on va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Je pense pas que ça va marcher. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Par terre. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. Quoi? Pourquoi tu y as? Combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes.
dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Non, c'est vrai. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Avance, au lieu. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Elle était là. D'accord. Allez. Ok, d'accord, je voulais faire la galanterie, mais... Tu casses les pieds. Oh. Oh. C'est pas bon, ça. Ce sont les lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Attends, je vais voir si j'ai... C'est bon, il y a... Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. Il est un miphare. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. J'ai pas le contraire. Enfin... Oh, moi. Prendre. D'accord. Joël, donne-moi un coup de main. Pardon, je suis obligé. J'ai de quoi améliorer, hein. Et comment tu fais pour fermer cette porte, mais quand t'es de l'autre côté? Hé, hey, tu tiens le coup. Ça ira. Ah, tu la fermes pas. D'accord. Ah, ok. Coup de batte. Stop. Des soldats. Coup de batte. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Coup de batte. Moi, je fais des dépêches. On doit atteindre cette porte. D'accord. Oui, on y va. Je prends celui-là. La justice n'attend pas, soldat. Tu ressouviens un peu plus tes arrières, mec. Mais bon, je crois qu'il est un peu tard pour te le dire. T'as gagné. Allez, arrête de faire du mal. Arrête de battre. C'est bon, c'est compliqué. Pas de bruit. Par contre, toi, t'as beaucoup de mun, je suis content. Lui, il a beaucoup de mun. Il est où? Il n'y a personne. Ah non, j'ai confondu. C'est la main avec un pistolet. Merde. Après le désir revolver, c'est la main revolver. Allez. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant à choper, non? Non. Y. Non, je veux pas de bouteille. Ça va pas! Je croyais que le mec m'avait vu. Je croyais qu'un mec m'avait vu et qu'il vous bourrait sur moi. Alors il y a toi. Et toi. Ah.
1, 2. Toujours en bas. Ok. Mais enfin. Oh, ils sont cons, ces gens. Et c'est qui se retourne, je fais. Ah. Allez. Oh. Et. Un peu en retard, les filles. Aïe. Oh. 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 Bon, moi, je me cache parce que j'ai mal. On n'est plus très loin. Non, parce que j'ai mal. J'aurais aimé le garder pour plus tard, mais bon. Apparemment, la barre de fer, enfin la barre au bois. Elle s'use très rapidement. Alors. Rien, non. En fait, on doit aller où parce que. Par là-bas. Attends, mais d'abord essayer d'aller là. Ok, d'accord. Et c'est pas là. Non mais. Je veux voir ton visage, je veux voir si t'as des marques de sang. Non, tu n'as plus. Vous avez rien drop. Descendre, c'était la dernière possibilité que j'avais. Ouais, je. Ok, c'est le mec d'en bas. Il est debout. Allez, ok. Je pense que c'est plus facile à faire tomber, mais bon. Par ici. C'est mon avis. On n'est plus très loin. Alors. Y a-t-il une quelconque. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Ok, y a rien du tout. On est presque arrivé. Rien du tout, de rien du tout. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Il y a un moyen de t'arrêter ce truc là. Je sens que ça va vite me saouler. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approche pas d'elle. Oh, qui calme. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Et. C'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp.
On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais pas avec lui. Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. D'accord. Bon. Bonjour, Ellie. Oh. J'ai entendu les tirs, mais... Mais... C'était quoi ? Les Lucioles. Stacy. Va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Je sais pas où on va. Ah, si on veut personne cachant ou étant des criminels recherchés et passibles de mort, ne prenez aucun risque de signaler cette activité. Ah, ok, d'accord, c'est pour pas grand-chose. Par ici. Pourquoi toi que je me fasse la touche ? Allez, dépêche-toi. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité. Coupé ! Alors, je vais t'expliquer un concept. T'es par où ? Ou à travers. Voilà. Simple. C'est facile. Alors, accroupi. Voilà. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Ah. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. J'aurais dit j'en sais rien, mais apparemment c'est là-haut. Alors. Alors voyons voir. Bon, bah, il est déjà là. Alors. Voyons voir. Coucou toi. Allez. Toc. Voilà. Allez, la mistinguette. Allez. Viens. Bon, ok. Ouais. Ok, d'accord, je croyais que tu étais passé pour monter. En taille, hein, pas en maturité. Ce tunnel, il y a du trafic dedans ? Oui. Non, pas beaucoup. Parfois. Et une gamine, ça fait ? Pas encore. Non, c'est une première. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'on passe de 37 ans ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si... Ah, je le savais. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ?
Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici. Si c'est ce que tu veux savoir. Bon, bah, le steak. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot. J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Par contre, moi, j'adore jeter dans les cartons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Toc, toc, toc. C'est ici. Qui s'appuie la bœuf, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais? Je dors. Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? La même chose. Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Je sais. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Ok, je crois qu'il faut te parler. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Ni même le troisième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Et je sais même pas quoi c'est le quatrième, mais bon, je crois que ça va être là. Allez. C'est bon, ça va, tu peux t'as même pas besoin de faire ça. Ouh. Mais c'est qu'il faut plier. Oh. Ok, d'accord. Olé. Olé. Encore une fois. Oui. Allez, on a pris ce petit bouton vert. Qui nous attend au point de rendez-vous? Quelqu'un. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? C'était la fille d'une huile ou un truc dans le genre? D'une ouais, huile? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Oh, on vient à peine de partir. On devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais. Pas de problème. Carte de patrouille. Ah ah. Alors, une carte des itinéraires des patrouilles hors de la zone. Ah ah. Ah ah. Intéressant. Donc, on peut passer. C'est dommage que j'ai pas de souris pour vous montrer, mais. Allez, plus. Ouais, moi je vais dans les trous sans vérifier. Hein, on va vérifier que la bonne étude. Tac. J'ai pas conscience, mais c'est une histoire. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez.
Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Je crois pas. Ah, pas à ta part, oui. Vraiment dehors. Tu vas. Va voir. Alors. La dame avait construit des murs comme ça. Protéger la ville. Pourquoi pas. Par là-haut. Oh. N'essayez pas de vous enfuir. Bien, madame. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Bess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Vous n'avez rien vu? Rien de vous. J'ai 2 soldats morts. Je répète, j'ai 2 morts. Il y en a plus. Quand je te donne le signal, on court. Signal, on court. Tu vois le signal? Vas-y, cours. Ah, ok, c'était ça. Ah! C'est mieux que moi, j'ai testé peut-être. Hully. Falloir courir. Prête. Ouais. C'est bon. Chier, ils sont partout. Ouais. Ah, salaud. 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 Et moteur, tu m'as pas vu. Je sais pas sur quoi il tire. Attention, ne pas qu'il nous voit. Allez, Oli. Suis Joël. Quoi? Quoi, moi?
instant, c'est bon. Oui, bah, désolé. Nya. Est-ce que tu... Allez, on avance vite fait. Je veux voir jusqu'où on va arriver. Avance. Je les entends devant. Oh. On va gagner genre tout de suite. Passer par là. Niquer des lunes, c'est pas cool ça. Allez, encore un peu. Encore un peu, c'est... On a une peu. Joël. Votre défaut, c'est que vous êtes très facilement... Ok, d'accord, c'est juste un orage. Ah.
imaginé que tu aurais avancé plus. Bon. Salut. Ok, d'accord, très mauvais. Très mauvais. C'est bon, ça va. Allez, on y va. Voilà, ça c'est propre et parfum. Voilà. Oula, du coup moi. J'étais pas tout seul de bouger. Moi je vais me barrer. On va pas rester ici pour savoir. Ok. On a failli y passer, Tess. J'espère que t'en vaut la peine. Tess, tu sais par où il faut aller ? Comment changer ? Tu m'étonnes. C'est un peu sale, mais bon. Je peux laisser voir. Voyons ça. Lumière. Ouais, quelque chose d'intéressant. T'éloigne pas. Et c'est vrai que c'est pendant que tu parlais. Hein. Ça donne quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Pour le moment, ça va. Merde. Encore des soldats. Cible toujours en fuite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Merci. Tout à vos véhicules. Restez dans le... J'étais beaucoup parce que j'essaie d'écouter les dialogues et que... Et que ça... Enfin, je suis pas spécialement concentré, mais...
Voilà, c'est assez immersif en fait, c'est pour ça que je me tais. Vu qu'il faut se taire, je me tais, c'est assez immersif. Alors je pense que c'est là qu'il faut aller. Mais je vois une porte ouverte et j'aimerais... Bien, allez par là. Si je m'abaisse, vous abaissez tous. Ok, d'accord. Il y a quelque chose d'intéressant ici? Piller. Parce que, enfin... Ah, pillage. On est en sécurité. Pillage, non. Pillage. Oh, Prends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Eh hey, oh, je ne vais pas venir deux fois. Et j'ai commencé à le faire avant que tu me dises. Ouh, ils disent. Munitions. Ciseaux. Enfin, oui. Oui. Alors. Un mec. Ça gratte. C'est tout. Bon, on y va. Alors. C'est bon. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Éloigne pas. Ok. Yeah. Oh, attendez, attendez. Rompez-vous, je me rappelle. On retourne tous au mur. Vous avez entendu, on se bouge. Allez, allez. Et puis j'arrive là. Oui, ce sera mieux. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive pas. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. J'ai les pieds mouillés. Bon. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Bon, sur ce, cet épisode a beaucoup, mais beaucoup trop duré. Alors, c'est la fin. Eh oh, tu vas où? Stop. Bon, cet épisode a beaucoup trop duré. Je propose qu'on arrête là. Allez, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de partager ou bien de vous abonner, ça fait très plaisir. Allez, tchuss. Et à la prochaine.